Merci, chers amis. Merci, chers amis. Donc, à la demande de notre présidente, je vais raccourcir mon propos et vous dire que c'est un vrai plaisir de participer à cette rencontre des femmes en lutte, à l'occasion de la Journée mondiale des femmes. Ne l'oublions pas, la journée du 8 mars n'est pas seulement la journée de la femme, mais la journée des droits des femmes, rappelant que nos droits sont issus de luttes, d'un combat de générations de femmes qui nous ont précédées, et nous savons toutes qu'il ne faut pas baisser les bras, car l'égalité est toujours un combat. Alors les femmes, qu'elles soient algériennes, palestiniennes, iraniennes, tunisiennes et bien d'autres, et françaises, n'ont pas été absentes des combats. Elles ont accompagné les mouvements et aujourd'hui se battent pour faire valoir leurs droits et reconnaître leur apport. Certains souhaiteraient vouloir les enfermer dans un carcan de tradition, mais c'est méconnaître la femme que de croire qu'elle peut se laisser déposséder aisément de ses droits. Si les femmes sont partie prenante dans les mouvements de revendication, dans les mouvements contestataires, il est souvent regrettable qu'elles soient écartées rapidement du processus politique de construction des nouveaux régimes. En cela, je tiens à rendre hommage à Madame Rajavi, femme qui a pris la tête de manière démocratique du mouvement de résistance à l'oppression. Sa présence prouve qu'il n'est pas de fatalité de l'Orient, comme des discours sentencieux et convenus aiment à le dire. Il n'y a pas un machisme oriental qui serait irréductible au concept de parité, d'égalité de traitement des individus des deux sexes. Madame, vous êtes un modèle et votre présence montre qu'un discours égalitaire peut se faire jour et être concret. Je souhaite que cet exemple soit suivi dans l'ensemble de la région, qu'il fasse l'effet d'un modèle et d'un objectif à atteindre pour nombre de femmes. Madame, vous êtes comme moi, farouchement laïque, et vous êtes comme moi, sereinement musulmane. Vous l'avez rappelé parce que nous sommes porteuses d'un islam spirituel, libre et responsable qui se fonde sur un humanisme, qui se fonde sur l'émancipation, sur la justice et sur l'égalité. Et vous avez raison, la Karaf Din, il n'y a pas de contrainte en religion. Et vous l'avez rappelé, il nous faut combattre le fascisme religieux et les intégrismes de tous bords, car c'est toujours, toujours la femme qui trinque. Comme l'a dit Anne-Marie Lizin, je ne vais pas rappeler, nous avons besoin de soutenir ces femmes d'Ashraf et de liberté qui luttent et qui sont aux avant-postes. Nous demandons donc à l'ONU, aux Nations Unies, à l'Union Européenne, à la France de soutenir ce combat. Tôt ou tard, les dictatures tombent ou tomberont. Reste donc à espérer que ce printemps des peuples soit aussi un printemps des femmes, que ce peuple en général, générique, qu'on célèbre, soit un peuple mixte, donnant à tous et à toutes sa chance. Nous sommes tous des Ashrafiennes. Je vous remercie.